C'est une des causes, absolument. C'est une des causes. Parce que ce qui s'est passé, là aussi, on l'oublie souvent. On a tendance à lire le mouvement, les mouvements nationalistes africains comme des mouvements qui, dès le départ, avaient pour objectif l'indépendance, ce qui est complètement fou. Dans certains cas, ces leaders avaient plusieurs options et se trouvaient en face aussi de l'autre côté, le côté de la métropole, de différentes options. Je veux dire, dans le cas français, on le voit très nettement. De la 4e République à la 5e, il y a différentes options. Et face à ces différentes options, les leaders africains ont aussi leur vision. Là où on le voit mieux, ceux qui se battaient pour le maintien des fédérations, ceux qui se sont alliés avec les Français pour Feboyer, par exemple, pour détruire la possibilité de maintenir les fédérations, alors que Senghor se battait pour, contre ce qu'il a appelé la balkanisation de l'Afrique. Donc, Krumah qui voulait aussi une fédération, etc., etc. Donc, et il y a des gens qui se battaient pour être inclus comme citoyens. On le retrouve, par exemple, chez les étudiants qui vont créer le WASU, West African Student Union, à Londres, qui voulaient être des citoyens du dominion anglais, comme les Anglais qui s'étaient installés dans les colonies, etc., etc. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de positions et il y a des possibilités multiples. Ce qui fait que donc, il n'y a dans aucun pays d'Afrique un leadership nationaliste, si vous voulez, cohérent. Ils sont sur des positions différentes. Deuxième chose importante, les partis qu'ils créent sont des partis qui s'appuient sur le discours occidental de la démocratie, libéral, communiste, tout ce qu'on veut, mais continuent à mobiliser sur des bases qui sont des bases ethniques, régionales, locales, etc. Ce qu'on voit, en fait, là aussi, si vous prenez le cas du Nigeria, on le voit très bien, les trois grands partis qui se structurent sont structurés autour du Nord, autour des Yoruba et autour des Igbo. Si vous regardez les grands partis au Kenya, c'est autour des Kikuyu, autour des Luo. Si vous regardez les grands partis au Cameroun, vous retrouvez les mêmes formes d'organisation ethnique, etc., etc. Donc il y a cette disjonction entre le discours politique qui est un discours de la communauté nationale et de l'universalité et en fait des formules de mobilisation qui sont des formules qui sont très fortement en fait influencées par les affiliations locales. Et là, le cas le plus intéressant est le cas de Senghor, que tout le monde prend pour un Français, mais qui, au Sénégal, entre les années 50 et 62, s'impose comme le leader incontesté parce qu'il liquide, en fait, ses principaux opposants, y compris à l'intérieur de son parti, en utilisant, en fait, une logique qui est une logique vernaculaire. Il utilise la parenté, il utilise les associations religieuses soufis, alors que ces deux opposants veulent un État moderne, du citoyen qui est un citoyen politisé. Donc, ça c'est le deuxième élément. Troisième élément qui est un élément intéressant, c'est que quand, en fait, l'idée de l'indépendance s'impose, si vous regardez tous les États africains,
le leadership qui arrive au pouvoir est un leadership qui est fondé sur des coalitions. Coalitions de différents intérêts. Et des intérêts éthiques, des intérêts religieux, etc. Mais ils sont arrivés ensemble. Ils se sont mis ensemble pour obtenir l'indépendance. Ce qu'on constate, et là aussi on le voit dans tous les pays africains, anglophones, francophones, la coalition explose. Le maximum, c'est les coalitions qui survivent, ne survivent pas plus de 5 années. Et c'est ça que j'appelle la bataille pour des intérêts qui sont des intérêts privés. C'est-à-dire que l'élément fondateur qui avait permis l'établissement des coalitions n'existe plus. Et le pouvoir est accaparé par un groupe. Et en général, et on le retrouve, c'est un groupe ethnique ou un groupe régional du Nord contre un groupe régional du Sud, ou des groupes qui vont se battre entre ceux du Sud, ceux du Nord, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. C'est vrai que la guerre froide a été importante, disons, pour comprendre la trajectoire africaine. Il y a énormément de gens qui disent, d'observateurs, de chercheurs qui disent la malchance de l'Afrique, ça a été, disons, d'acquérir l'indépendance dans un contexte d'affrontement entre l'Est et l'Ouest, ce qui fait que tout ce qui est arrivé en Afrique a été lu à partir de cette perspective de la guerre froide, et l'Afrique est devenue le terrain d'expression de cette bataille de la guerre froide, et l'ensemble des ressources africaines, ethniques, religieuses, etc., politiques, ont été utilisées dans le cadre de la guerre froide. Et ce qui est pire, si vous comparez avec ce qui s'est passé en Asie, c'est qu'aucun pays africain n'a pas tiré un avantage de la guerre froide. Si vous regardez un pays comme la Corée, par exemple, ou même à un certain moment l'Indonésie, ils sont devenus des dictatures autoritaires au sein de la guerre froide, mais ont pu utiliser les ressources matérielles de la guerre froide pour avancer leur développement. En Afrique, la guerre froide a eu des conséquences qui sont des conséquences de destruction. Si vous voyez la Somalie qui n'arrive pas à se relever aujourd'hui, mais même le Congo Zaïre traîne encore une partie de cette histoire de la guerre froide. Si vous prenez les difficultés dans lesquelles l'Angola se trouve aujourd'hui, on se trouve effectivement dans ces situations qui sont des situations difficiles. Cela épuise-t-il la localisation, disons cette présence spécifique dans le champ de la guerre froide explique-t-elle la situation africaine aujourd'hui? Non. Elle participe de l'explication, mais elle ne se réduit pas à cela. Mais aussi négliger cela, comme certains des collègues font, ne permet pas de comprendre, disons, la totalité de la situation africaine. Non, ce n'est pas du tout la réalité. Et on peut montrer cela de différentes manières. En fait, la lecture que vous venez de présenter participe de cette même invention de l'Afrique. C'est-à-dire l'idée que les Africains n'existent. C'est comme dans la photo. L'Afrique, c'est le négatif. Et l'Afrique n'est révélée que quand l'Europe arrive. Donc, on n'a jamais pu, et c'est ce que vous disiez avec l'exemple, quand on a trouvé des États au 19e siècle en Afrique, on a dit que ça ne pouvait venir que des Hamites, de migrants qui venaient d'ailleurs, de l'Asie, ou de n'importe où. Mais ce n'était pas des Africains, ce n'était pas des Bantous. Ce sont des Hamites. Donc c'est ça la grande explication. Et sur la démocratisation, c'est la même chose. Mais on oublie souvent que ce qu'on a appelé le vent d'Europe du Sud, c'est les Africains qui l'ont créé. C'est les guerres dans les colonies portugaises qui ont entraîné le coup d'État de 1974 et la révolution des œillets. Ce n'est pas le contraire. On oublie tout le temps ça, que l'Afrique a participé de la démocratisation du Portugal. Ce n'est pas le contraire. Donc ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, si vous regardez, rien qu'en termes de temporalité,
En Afrique, on a des crises dans les années 60. Tous les coups d'État, à partir de 63, qui, même si ils tournent à l'autoritarisme, sont des batailles pour la démocratisation, entre les années 70 et les années 80, les départs, ce qu'on appelle maintenant le brain drain, qui au départ étaient des gens partis politiques, pour des raisons politiques, les intellectuels africains ont payé un prix énorme dans leur bataille pour la démocratisation. Et dans les années 80, le débat sur la démocratisation en Afrique est un débat mené par les Africains alors que les Européens sont contre, dans le contexte de la guerre froide, rappelez-vous. Tout mouvement démocratique est élu comme un mouvement communiste dans la plupart des cas. Donc on ne peut pas le dire. Ce qui a en fait entraîné dans la... Ce sont les Occidentaux qui pensaient que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie, pour parler comme Chirac, qui ont coincé les mouvements pour la démocratisation, où les gens, les opposants intellectuels, syndicalistes, étudiants, ont été emprisonnés ou ont été forcés au départ. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe à la fin des années 80, début des années 90, ce qu'on a appelé les transitions démocratiques, en particulier le fameux discours de la Baule. Le discours de la Baule n'a pas lancé la démocratisation. Le discours de la Baule fixe les paramètres dans lesquels la démocratisation doit s'opérer en Afrique. Et dans la plupart des cas, c'est contre l'intérêt des Africains. Et ce n'est pas démocratique. Le cas du Togo l'a montré, où les Français ont soutenu et ont fait en sorte que Yadema maintienne son pouvoir. Le passage du bâton de père à fils au Togo et au Gabon est une manœuvre dans laquelle la France a trempé, qu'on le veuille ou non. Donc, on ne peut pas le dire. Et c'est peut-être pour cela que l'entreprise démocratique a des problèmes en Afrique. Parce qu'on tente de la canaliser dans un espace qui n'est pas peut-être son espace de développement propre. C'est-à-dire que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une histoire générale de la démocratie qui ne se réduit pas aux formes démocratiques occidentales. Ce qu'il faudrait donc aujourd'hui pour nous, c'est d'inventer la déclinaison africaine. Mais cette déclinaison, quand je dis une déclinaison africaine, je l'inscris dans l'histoire générale de la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qui serait spécifiquement africain. Ça, je ne crois pas. Ça n'existe pas. Mais une déclinaison, c'est-à-dire une mise à l'œuvre et une mise à l'épreuve de formes démocratiques dans les espaces africains doit tenir en compte l'historicité des sociétés africaines. Probablement. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver d'autres formules. Parce que les Africains sont prêts à voter. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, si on compare, il y a une crise généralisée du vote dans le monde. Une crise générale. Mais il y a une recherche. En Afrique, le vote attire, les gens participent. C'est l'administration du vote qui pose problème. Et c'est, si vous voulez, l'appropriation de ce rituel comme une des formes de légitimation du pouvoir qui devrait être repensée. C'est les modalités du vote qui devraient être repensées. Mais c'est aussi la représentation qui devrait être repensée. Moi, par exemple, je pense de plus en plus qu'il faudrait trouver des formes de représentation qui sont des formes qui permettent aux gens d'être représentés localement et de valider, d'invalider le pouvoir au niveau local. Et pour éviter cette espèce d'obsession du pouvoir au centre qui permette aux gens d'accaparer l'ensemble des ressources d'un État, il faudrait probablement trouver une formule qui fasse que le chef d'État n'est plus élu au suffrage universel et que le pouvoir soit un pouvoir décentralisé et les assemblées soient des assemblées
qui fonctionne, où l'électeur est capable d'identifier son représentant et qui permettent aux gens de se battre à ce niveau en créant, je reviens à mon idée de pluralisme, des formes de représentation et de notabilité multiples. Ce que ça va donner, je reviens sur mon obsession, le dialogue permanent, la négociation permanente. Non, ce n'est pas une dichotomie, c'est que les gens qui sont au pouvoir ne pensent qu'à leurs intérêts, ils ne représentent pas le bien commun. Moi, quand je pense par rapport à des réalités précises et je dis, ben, voilà, et c'est faisable, moi je peux réformer l'État sénégalais tout seul. Parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Comment les gens sont-ils représentés? Vous avez des circonscriptions, non? Vous organisez des circonscriptions. Vous savez, quand l'État sénégalais devient indépendant, d'abord, au moment de la période de l'autonomie, le premier président du Conseil sénégalais commence un travail qui est un travail tout simplement de savoir qu'est-ce que c'est que ce pays, de création, de production de nouvelles connaissances. Et à partir de ces nouvelles connaissances, il divise le pays en 7 régions, où en fait, les gens produisent, la commission qu'il avait mise en place produit 16 volumes. Et 16 volumes, toutes les régions, tous les villages sont visités. Les gens sont comptés. Leur religion, qu'est-ce qu'ils produisent? À partir de ce moment, on peut organiser quelque chose en disant, voilà, voilà les ressources que vous avez, voilà la vision qui pourrait être possible. Est-ce qu'on peut discuter dans chaque région à partir de ça? À partir de ce moment, vous n'avez même plus des situations où les Kabila vont ou non distribuer les ressources. Vous allez organiser un système financier qui fait que les ressources restent à leur niveau et qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes qui permettent de créer un système de finances locales et un système de financement au niveau national. Et si vous avez des représentations, ça change d'abord une chose. Si vous avez ce type de système avec ce type de représentation locale, vous aurez probablement, les partis vont se trouver face à des candidatures indépendantes et vont être forcés de s'adapter à ces nouvelles situations. Donc vous créez, même à l'intérieur des partis, des systèmes démocratiques, comme aujourd'hui, si vous voulez, en France, où le Premier ministre peut se trouver en bataille avec le secrétaire général du parti, où les gens, comme on dit aujourd'hui, les députés, quand ils vont commencer à se rendre compte que probablement en 2012, si Sarko n'est pas le meilleur candidat, ils vont trouver une autre solution parce que les intérêts locaux sont beaucoup plus importants que les intérêts nationaux. Vous avez un système qui s'équilibre par cela. Mais ce n'est pas l'Union africaine qui va faire ça. C'est à l'intérieur de chaque pays qu'il faut d'abord faire ça. C'est créer en fait une société civile. Je ne parle pas du type de les trucs sur la société civile que les Africains font, où ils créent des organisations de la société civile pour négocier. Mais de véritables sociétés civiles se mettent en place pour dire ce qui est important, c'est le bien commun. Et voilà le consensus qui a été dégagé pour gérer le bien commun. Je veux dire qu'il faut en avoir une analyse objective. C'est un phénomène banal. Ça fait partie, c'est une des modalités de l'administration dans les sociétés humaines. Et c'est pour ça qu'il faut trouver les moyens de la combattre. Et de faire en sorte que, effectivement, elle ne gangrène pas la société. Vous savez, c'est ce que j'appelle le système de nettoyage. Le système politique américain, le système économique américain est largement corrompu. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a une épée de Damoclès. C'est un risque qui est pris. Et ce risque, il est pris en compte par le système. C'est pour ça que je dis que le système, tant que le système est capable de s'auto-nettoyer, la corruption, je ne pense pas qu'on puisse l'écarter définitivement. Mais on peut la contenir
et on peut l'administrer. C'est ça qui est important pour moi. Je suis très réaliste. Vous savez, ce sont des sociétés qui ont été malmenées. Malmenées au cours de la période coloniale, malmenées au cours de la période postcoloniale. C'est des sociétés dans lesquelles différents groupes sont arrivés à trouver les mécanismes d'autodéfense extraordinaires. Ce sont aussi des sociétés, on le croit souvent, les masses africaines, parce qu'elles ne sont pas indemnes, participent de cette corruption et de cette destruction interne des sociétés africaines. Donc il faut refonder les sociétés africaines. C'est pour cela, quand je parle de la corruption, j'en parle d'une certaine manière. C'est pour cela, quand je parle d'un système décentralisé et d'une capacité d'organiser les sociétés africaines au niveau local, ce qui m'intéresse, c'est les conditions à partir desquelles il est possible de refonder les sociétés africaines, de guérir des sociétés qui sont des sociétés malades. Donc, on ne peut pas parler de la justice seulement comme ça, ni de la démocratie, parce que pour moi, deux choses sont beaucoup plus importantes. C'est les conditions de création de sociétés ouvertes, plurielles et tolérantes. Et je dis ouverte, plurielle et tolérante. Et ça, ça englobe la démocratie. La démocratie est l'un des mécanismes de cela. Et aujourd'hui, c'est cela qui est le plus important. Et pour faire cela, il faut non seulement des réformes institutionnelles, mais il faut aussi se préoccuper de l'état des sociétés africaines elles-mêmes, des communautés africaines, mais aussi de l'individu. C'est possible parce que, comme disait notre aîné Valentin Moudimbé, on participe d'une bibliothèque qui est la bibliothèque coloniale. Je ne suis pas un historien africain, je suis un historien. Je participe d'une tradition historique qui est occidentale. Mon vocabulaire, je suis historien parce qu'il y a une institution qui dit que, effectivement, je satisfais aux conditions et critères qui définissent un historien. Et cette institution est occidentale, même si elle se trouve en Afrique, qui est un département d'histoire. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je participe d'un monde, d'un dialogue, qui est un monde, un dialogue ouvert, je trouve, avec des collègues qui viennent de partout dans le monde, de la Chine à l'Inde, à l'Europe, etc., etc. Donc, le vocabulaire que nous utilisons est un vocabulaire commun. C'est une bibliothèque commune, si vous voulez. Et Moudimbé va plus loin en disant que même c'est fortement colonial et qu'on ne peut même pas échapper à cette bibliothèque. Mais ce qui est important, en fait, je pense, dans ce que j'écris ou ce que certains de mes autres collègues, Achille, etc., écrivent, c'est qu'on ne se préoccupe pas du tout de cette, si vous voulez, de cette perspective qu'on pourrait appeler la longue perspective qui est fortement marquée par le livre de Conrad, Au cœur des ténèbres, qui est véritablement l'illustration parfaite de cette Afrique qui dysfonctionne. Ce qui nous intéresse, c'est surtout voir les mécanismes internes et les mécanismes externes. On essaie de produire un discours qui est un discours qui est à la fois, entre guillemets, scientifique, mais un discours qui se préoccupe, si vous voulez, d'un enracinement qui est un enracinement africain. C'est ça la différence. Ce qui fait que c'est vrai que même si on utilise le même vocabulaire, on n'est pas du tout dans la perspective de... Il y a eu un numéro spécial des cahiers d'études africaines appelé « Afrique, la malédiction ». On ne fonctionne pas, je ne pense pas qu'on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, et on le voit, en fait, cette idée, cette manière de parler de l'Afrique, c'est ça qui a autorisé Sarkozy à aller à Dakar et à raconter ces trucs sur les Africains qui ne peuvent pas sortir de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est là. Et surtout en France, on voit ça. Et ça revient de,
très très fortement dans ces campagnes françaises anti-communautaristes. Vous savez, pour moi, c'est un débat tellement vaseux. Je veux dire, que les intellectuels français acceptent ou non, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas français, ils ne déterminent pas ma manière de penser. Ils n'existent pas pour moi. C'est une espèce de petite minorité provinciale, complètement dépassée. C'est-à-dire que ce que ça exprime, c'est l'espèce de mise à la marche des africanistes français. Donc ils peuvent se lamenter, ils peuvent crier, ça ne change rien dans ma vie, je vous dis. Parce que ce qui m'intéresse dans ce qu'on appelle les études postcoloniales, c'est la capacité d'entrer en discussion avec des gens qui ont été en situation coloniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains intellectuels français nous disent « On a déjà dit ça, répétez ce qu'on a déjà dit, n'ayez pas d'imagination ». Moi, je suis un historien parce que j'adore imaginer. J'adore prendre des risques théoriques. J'adore prendre mon pied intellectuellement. Et c'est ça. S'ils ne peuvent pas prendre leur pied parce qu'ils sont frustrés, c'est le problème, ce n'est pas le mien. Et en fait, pour moi, c'est un débat qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, ils peuvent continuer à dire ce qu'ils ont à dire. Et alors, ça n'empêchera pas que les gens vont avoir les choses à dire. Vous savez, c'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est que les intellectuels africains, les intellectuels asiatiques, ils commencent à s'aménager une autonomie qui leur permet d'intervenir dans un débat dans lequel ils avaient été exclus, le débat de l'universel. Et c'est cela aujourd'hui le problème. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur l'universel, sur la démocratie, sur la modernité, les intellectuels d'ailleurs, et quand on dit d'ailleurs, c'est la majorité du monde, ça on l'oublie souvent, disent au fond, il y a une histoire générale de toutes ces catégories. L'une de ces histoires est une histoire occidentale, mais il y a de possibles histoires. Qui sont des histoires d'ailleurs. Si c'est ça, les études, si c'est ça qu'on exclut et qu'on maltraite sous le nom d'études postcoloniales, soit, mais le problème c'est que ça va continuer. Parce que comme je dis, cette majorité qu'on n'entendait pas est en train de devenir une majorité qu'on entend. On entend non seulement à partir de ce qu'on a appelé les périphéries, mais en fait, elle est présente dans les centres de production intellectuelle de l'Occident. Et elle y joue un rôle majeur. Donc, les cris d'Orphée ne vont rien y changer. La société française est multiculturelle depuis très longtemps. Le problème, c'est que c'est un multiculturalisme qui avait été, si vous voulez, contenu par l'idéologie républicaine. Et qui fait que les gens, quand ils rentraient dans le système, quand ils s'installaient en France, les anciens colonisés, en fait, ils s'installaient en entrant dans le système. Et dans la plupart des cas, ils n'arrivaient même pas à se reproduire, si vous voulez, physiquement. Parce qu'en général, bon, un Africain, un Sénégalais viendrait ici il y a très longtemps, il a décidé de rester. En général, il se marie avec une Française. Dans la plupart des cas, il n'a pas le choix. Parce qu'il ne retourne pas en général. Et ces gens ont produit une seconde génération de gens qui ont eu des difficultés
à s'identifier à quelque chose et à se faire reconnaître. C'est pour ça qu'on continue à dire en France ce qui me gêne énormément, les immigrés. Alors que la majorité de ces Arabes et de ces Noirs sont des Français. Moi, je les appelle des Français. Ce ne sont pas des immigrés, ce sont des Français. Ils ont la nationalité française, ils sont la plus, beaucoup sont nés ici. Ils fonctionnent comme des Français, mais à leur manière et à leur rythme. Et c'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui. Vous savez, pendant longtemps, comme je disais, ils ne pouvaient pas se reproduire. Aujourd'hui, l'immigration, il y a une trentaine d'années, le renforcement des polices aux frontières et en fait le durcissement des politiques migratoires ont fait que les gens se sont installés. Avant, il y avait un mouvement cyclique, ils venaient, ils travaillaient, ils repartaient, ils restaient, ils pouvaient rester 2-3 ans chez eux pour revenir. Mais dès le moment où ils savaient que s'ils retournaient, revenir serait un problème, ils se sont installés. En s'installant, cette deuxième vague de migrants ne s'est pas nécessairement mariée en France. Elle a commencé à amener, en fait, les époux et les épouses. Donc, ils ont commencé à avoir des enfants. Et en fait, cette communauté peut s'auto-reproduire en son sein. Les Comoriens de Marseille peuvent rester dans le monde de Comoriens, se marier et se reproduire. Donc, leur vision de la France est une vision à partir de cet observatoire communautaire. Et ce qui est fantastique, et c'est pour ça que je dis qu'ils sont français, ils sont français, mais ils sont français autrement. Ils apportent quelque chose à la France, ce qu'ils sont. Et ils refusent de laisser tomber, justement, cette chose-là dont on dit qu'elle crée un problème d'intégration, ce que je trouve faux. Moi, je vis dans un pays où ça ne fonctionne pas comme ça, et ça marche, l'Amérique. Donc, il ne faut pas se leurrer, ces gens ne disent pas « on n'est pas français, on veut rester Comorien ou Sénégalais ». Ils disent « on est français, mais on est français avec des ressources culturelles différentes ». Et aujourd'hui, le problème, c'est que ce ne sont pas eux. Aujourd'hui, le problème, mais personne ne le dit, on dit « ce sont eux ». Mais le problème, c'est l'incapacité de la République française à intégrer des Français différents. C'est ça le problème. Et le problème, c'est de ça, c'est seulement de cette manière que ce problème peut être résolu. Et c'est ça qui explique que, en fait, la création de ces discours qui deviennent des discours communautaires, qui sont des discours de production d'un imaginaire, d'un imaginaire français sénégalais, d'un imaginaire français comorien, d'un imaginaire français tunisien, etc., etc. Et ce sont ces imaginaires-là qui composent la France. C'est un débat vil quand, si vous lisez la préface de Sartre, aux damnés de la terre, Sartre dit bien que Fanon a écrit ce livre, mais il ne nous parle pas, il ne vous parle pas. Il parle aux autres, à ses autres, compatriotes, à ces Africains, à ces Noirs en France. Parce que la parole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que si j'émets une parole, elle doit fortement s'adresser à mes anciens colonisateurs. Je ne vis même plus dans le territoire. Je vis dans un monde où la langue dominante n'est pas le français. Pourquoi devrais-je prêter une attention particulière à mes anciens colonisateurs, quand ils ne font plus partie de mon horizon? Et ça, je pouvais le faire même en vivant en Afrique. La France, ce n'est pas mon horizon, ni théorique, ni politique, ni épistémologique, ni morale.